à tous. Bienvenue à bord de l'Hermione. Voilà. Pendant le déconfinement, nous on est en train de faire du calfatage à l'intérieur du bateau. Donc le calfatage, c'est pour faire l'étanchéité entre les lattes de pont. Donc là, on a du bitor. Donc ce bitor, on va venir le coincer tout au fond de la jointure, de la couture, on appelle ça, pour faire un fond de joint. Donc première étape, c'est enfoncer le bitor, et ensuite on a ce qu'on appelle les fer à calfa pour le calfatage de différentes épaisseurs, 1, 2, 3, 4, suivant la taille de la couture. Donc le but du jeu, hein, vous l'avez bien compris, rien n'est compliqué, il faut tout simplement y aller avec les fer à calfa et on y va. Ici dans le fer, dans le maillet à calfa, on a des rainures ici, c'est pour écouter le bruit. Donc on a différents bruits. Au début, quand on entend un bruit sourd, c'est-à-dire que le fond de joint est au fond. Voilà, là c'est sourd. On sait qu'on est rendu au fond pour assurer une bonne étanchéité. Voilà, donc en fait on a quelques dizaines de mètres à faire. En tout, ça fait quelques centaines de mètres. Donc voilà, on est plusieurs, donc on prend le temps de bien le faire. Et ensuite, voilà, vous avez vu, il y a des coutures de différents diamètres parce que le bateau a travaillé, a bougé, ce qui est normal. Donc voilà, on adapte au fur et à mesure la taille du bitor. On a des différents diamètres, plus gros, plus petit, on peut aussi tresser. Et à la fin, on va venir y mettre de l'étoupe. Tu peux filmer l'étoupe si tu veux. Par-dessus, en dernier, de l'étoupe. Voilà. C'est une espèce de filasse de chambre. Une chambre, et donc après, tout à la fin, on va y mettre du braie. C'est ce qui est d'une couleur noire, c'est les joints noirs qu'on vient par-dessus. Mais ça, c'est les finitions. Mais on n'est pas rendu là encore. Voilà. Allez, bonne journée à tous.